Kariba est un petit jeu de cartes minimaliste sur le thème des animaux. Les animaux de la savane se retrouvent tous au même point d'eau, mais la loi du plus fort s'applique. Les forts font fuir les faibles, et c'est ainsi depuis toujours. Le point d'eau est matérialisé par un octogone en carton. Un numéro est inscrit sur chaque côté, et va de 1 à 8. Les cartes représentent des animaux. Chaque type d'animal est associé à un numéro, de 1 pour la souris à 8 pour l'éléphant. Chaque joueur commence la partie avec 5 cartes. À son tour, le joueur actif pose une ou plusieurs cartes du même animal en face du numéro correspondant. Les animaux se placent les uns sous les autres de manière à toujours voir combien il y en a. Si l'animal posé est présent 3 exemplaires ou plus, il fait fuir l'espèce la plus faible. Le joueur regarde quel est l'animal d'un numéro inférieur le plus proche et en prend toutes les cartes. Il les met de côté. Chaque carte lui rapporte un point de victoire en fin de partie. Il pioche ensuite de manière à avoir de nouveau 5 cartes, et le tour passe à son voisin. Avec son numéro 8, l'éléphant n'a peur de rien. Enfin, sauf de la souris. Cette petite créature ne peut chasser personne, à part l'éléphant. Si un joueur pose une ou plusieurs souris, et qu'il y a au moins 3 souris sur le terrain, il prend toutes les cartes éléphant. Pour résumer, Kariba est un petit jeu de cartes qui tient dans la poche. Simple et accessible, il peut se jouer avec toute la famille.